Clarence, bonjour. C'est... Oui, bonjour Gabriel. Oui, et nous avons tapé contacté nous matin là et hier soir vous êtes intervenu dans 19-20 dans le journal radio. Où en position ou même par rapport à la situation na vive aujourd'hui là dernier 72 heures yo? Oui, absolument, et que nous avons eu une chance d'exprimer hier soir sur Radio Caraïbe et nous dévoiler dans le temps chaos qui vient là, nous-mêmes fait passer voie d'unité, nous, parce que nous-mêmes c'est recherche d'unité que nous fait pour nous qu'on puisse nous sauver le pays. Ça, effectivement, parti unir l'Union nationale pour intégrité avec réconciliation et déchiter avec membres du territoire, ça qui est capable là, parce que la situation n'est pas facile pour nous dire ouais, si nous sommes capable de sortir avec un ensemble de propositions pour nous faire face à la situation. Alors, proposition, ça va exprimer à travers nos notes que nous mettons dehors, mais merci de ce que Radio Caraïbe a une opportunité guerrière pour nous exprimer ou pour nous dire là. Nous disons d'abord que nous présentons sympathie nous à tout le monde qui est victime d'événements qui se passent 6-7 juillet. Mais à tout le monde, toute victime qui vient d'un pays a de mauvaise gouvernance. Parce que son pays a fait victime tout le temps. Mm-hmm. Mauvaise gouvernance, et président et qui c'est les offrines par tout le monde, c'est Pébouchou, qui est arrogant, qui est suffisant, qui part dans des conseils, et qui passe dans toute l'histoire pays, ça, histoire passée, et histoire des autres. Moun ça, yo chef ça, yo toujours fait population victime de comportement, yo, de absence de lumière que vous baguez en tête, yo, et surtout absence de sagesse que vous baguez. Alors, après ça se passe là, nous pensons que faut qu'il y ait des sanctions, faut qu'il y ait des conséquences, faut qu'il y ait des leçons qui tirent. Et nous souhaitons que les leçons ça, yo, et ces leçons qui viennent apprendre, chef, yo, yo plus humble, pour gérer le pays avec plus de modération et pour plus de compréhension, tout par rapport à misère et population. Pour nous-mêmes, c'est une leçon qui t'a caractérisé pour chef là, vous comprenez désormais, faut qu'il n'y ait pas à chanter quant à moi devant un pays qui a souffri et qu'il y ait des moments de colère brutale. L'un fait, yo, nous, qui s'est passé dans le pays, qui sommes une victime. Alors, nous-mêmes, nous portons une proposition à cette point, nous demandons que, en évidence, que faut qu'il y ait sanction, faut que le gouvernement il a démissionné, pour le ministre, il faut l'a démissionné, déjà sur page Twitter, tout le monde qui ouais, Radio Caraïbe dit hier soir qu'il a annoncé démission, mais jusqu'à présent, pas qu'au grand canadien qui est officiel sur question ça, ils sont nécessités incontournables que bon, l'autre gouvernement soit capable de protéger le président. Là. Parce que le président Jovenel Moïse est élu, il a un mandat populaire dans même, même si on monde a fait des questions, en pile pour l'interrogation sur Jean qui a un mandat, mais lui là depuis 17 mois, il faut qu'il continue pour faire 5 ans pour garder stabilité politique dans le pays, hein, pour que c'est ça. Chaque 5 ans, nous mettons le président sous pouvoir. Mm-hmm. Maintenant, face à la situation, excusez-moi de paraître long, mais c'est point rapidement. Nous disons, mettez quand même pressé un gouvernement consensus qui est capable d'inspirer confiance avec des mondes tout qui dignes de confiance population. Deuxièmement, adopter une série de mesures rapides vite pour soulager misère population. Mettez la justice quand même pour juger tout le monde qui déchire piller l'argent de l'État et t'as pas les bandes sans problème dans le pays. Et nous tentez. La colère monde qui s'est refusé des mondes plus responsables qui s'est offert l'argent de l'État. J'ai eu gaspillé, j'ai eu gagoté. Et puis, il faut nous engager vraiment une grosse bataille contre la corruption dans le pays. Protéger la vie avec bien tout le monde pour avoir des victimes tout le temps. Mettez quand même bon genre de structure pour avoir un bon genre de dialogue national inclusif face à ça dans le pays. Nous avons besoin de ça. Faut que nous chutons à Paris. Faut que nous ayons un gouvernement consensus qui doit sortir dans différents secteurs qui est capable de parler ensemble. Mettez tout le monde, c'est ça, nous, de la réconciliation, nous-mêmes, dans l'Union, nous pensons qu'il y a une nécessité pour nous faire ça. Ça, c'est point de vue par nous que nous devons partager avec ensemble opinion et nous remercier à ce pari d'expliquer dans l'opportunité. Eh bien, voilà. Merci un peu, Clarence Renoir. Bonne journée. Merci, bonne journée. Voilà, donc nous on prend les couliers dans quelques villes provinces pour qu'on ait comment situation y est dans ville provinciale et on a fait contact avec Anela Joseph depuis Tigouave et puis de l'autre contact également Pierre Bonnel pour que... Oui, est-ce que nous correspondons nous en libre hein s'il peut qu'au près puisque on était dans la classe politique là on était avec Clarence Renoir et gagne PDK Saint-Jean qui nan fusion socio-démocratique qui nan contexte actuel là li vle placer un mot. Bonjour madame Saint-Jean. Bonjour Karine Elvenet, bonjour tout auditeur avec auditrice et Radio Caraïbes. Oui, donc dans le contexte là et comme membre fusion socio-démocratique donc nous voulons placer un mot et c'est qui s'allier. Oui, je
gouvernement, du congé centre président et président Jovenel, et comme il dit la discours là que j'ai très mal conseillé, c'est que pas conventionnellement pour dire que j'ai mal conseillé, mais c'est pas du tout passé à la remplaçant ce gouvernement qui l'a si mal conseillé comme il l'a dit dans son discours. Et que le président Jovenel a besoin tant que l'aide l'enfant et bien pour le tenter pour se retrouver lui-même. Éclairer lui qui pour montrer utiliser la décision que la cour a eu. Parce que tout va être pas de deux effets pour prévenir la journée de la communication. Le gouvernement devient un bon matin et tout compte pas le surpris et quand il va faire qu'on est. Communication révélée très difficile avec Madame Pedrika Saint-Jean qui lui-même t'a fait un point sur situation. Il y t'a parlé surtout de discours président République là suite à annonce et décision pour augmenter prix Gaza, donc quelque t'a un retrait qui fait souligner donc lui-même comme mon café politique lui estimé ça t'es capable éviter. N'a pas retourné dans les provinciaux, nous praler dans Tigouave et nous pral rejoindre Anel Joseph, correspondant depuis Cité Faustin sous le clan. Bonjour Anel Joseph. Bonjour Fernel, bonjour Gary Dichel, et salut tous les auditeurs de Radio Craigio. Donc, j'en saillé tout côté dans le pays, ils doivent connaître l'autre mouvement noir hier, et qu'il y a un peu de activité pour défacer les situations, mais donc, il y a un groupe qui est dans la guerre qui. Et donc, non seulement ils étaient bloqués pour la dite, pour empêcher la circulation, mais ils étaient manifestés pour exiger, fois ça, c'est de ne pas président Jovenel Moïse, ils estimaient qu'il n'y a pas de qualité pour continuer à diriger les gens. Donc, ils étaient parcourus plusieurs rues dans le village, mais ils étaient empêchés, même motocyclettes circuler, et ils étaient empêchés, une grave de business fonctionner dans le village, et le village qui est paralysé, pas aucune activité qui fonctionnait, institution publique ou privée pas fonctionner. Et juste le moment on a parlé là matin là, donc pas gain circulation qui fait de Tigou avec une autre ville. Et mon yo le même yo fait qu'on est yo a continué à manifester jusqu'à ce que le président Jovenel Moïse même les bail dernières décisions. Donc dans ce sens gain vision haïtien droit monde lui même qui si on s'était dirigeant organisation droit monde qui mobilise mais critiqué par façon violence qu'il a faite dans le pays d'Haïti. Il dit qu'il y a une procédure qui est tracée justement pour nous faire une revendication passée, mais lui, déplore le fait qu'il y a attaqué l'institution publique. Il a dit, par exemple, le tribunal de Petit Gouvernement qui a été construit par un ministre après un pile plaidoyer qui était fait, et je me suis dit, alors, il y a une tentative qui est faite pour être incendiaire. Mais les souhaits de la population continuent à manifester dans la rue de façon pacifique. Mais et donc attaquer bien privé, bien public, donc Gilles Robinis souhaitait ne pas rentrer dans la logique ça, puisque nous connaissons DGI, bureau complexe, l'État à peine construit pour capable loger quelques institutions publiques dans la républicaine, gagner local mais, qui attaqué, bien privé l'autre institution qui attaqué, et bien roche tiré sur nous capable de dire bien privé monde, donc dirigeant droit mon via IDH, le poil, donc faut gouvernement lui-même il décide rapide pour éviter situation lui-même il continue compliquer nos clients pour population capable d'évacuer avec occupation. En pile, Anel Joseph, nous parler Jacques Mel avec Elie Lorveillus. Elie, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Guerrier Mel, bonjour Dicris, auditeur Radio Caraïbes. Alors, Jacques Mel, pour matin, toute activité reprend totalement.
et Marico, simplement nous constater que l'eau a été abondée, si on dit Farina et la pluie, alors probablement c'est à, par rapport à l'annonce météorologique qui était capable de rentrer en application, mais pour fonctionnement villa, nous avons dit un signe qui montrait nous en clair toute activité, il y aurait prendre total l'envie Jacmel pour matin. Merci à Bill et les chiffres en virus.